j'ai appris, c'est gauche, droite, écarter un petit peu plus pour tenir bon équilibre. Et si vous avez difficulté de genou, ça arrive souvent, à ce moment-là, vous pouvez faire saluer à dos. Il y a marqué, texte. C'est monsieur Jugoloquia. Peut-être qu'il avait problème de judo. Et là, on tourne à peu près 6 mètres. Et là, votre pied droit centre et vous allez écarter. Donc légèrement entrer en arrière. Soit 1, 2, 3, 4. Pour prendre distance. Ou un pas. J'ai préféré un pas parce que j'ai appris un pas. Bon, je dis à rien. Maintenant, nous allons commencer. Mais désolé, si on ne prend pas.
Ah non, on n'a pas fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais à peu près comme ça. Mais certainement, chacun, votre école, un peu tout, différentes manières. Mais il ne faut pas trop, mon ami, mon avis, il ne faut pas trop accrocher certains petits trucs. C'est-à-dire, il faut laisser passer. Comme tous les kata, il y a juste donc il y a 100 ans de comme histoire. Là c'est de toute façon ça change, c'est souvent les ça change de petits détails, mais quand même il faut accepter. Si vous êtes d'accord avec, vous n'êtes pas d'accord avec moi, là acceptez pour aujourd'hui, voilà. Et maintenant on va commencer, mais avant de commencer, Taï, l'idée c'est toujours il attaque avec son pied droit antérieur de Tori et il attaque Koshinage. Tu peux attaquer Koshinage s'il te plaît. Oui, chutez. Voilà.
Là, il attaque. De toute façon, comme il a fait, je crois qu'il n'a rien à dire. C'est avec un mur. Il dit c'est avec un mur. Hein. C'est pas torsionné, c'est un mur. Donc, normalement, c'est épais, quelque chose d'épais, il faut projeter. Donc, on ne peut pas entrer comme ça, ni loin non plus. Il faut entrer juste, il est entré juste, hein, descendu. Là, c'est l'idée, il attaque. Mais comment on fait d'abord? Utilisation de force. Quand il attaque, l'idée, il faut casser les rangs de partenaires. Donc, l'idée, d'abord, il faut glisser. Regardez, le décalage avec mon partenaire. Voilà. Regardez bien l'épaule. Il est haut. Normalement, ça passe, erreur, il est là. Vous n'avez pas réagi. Là, erreur numéro 1. Après, comme ça, vous faites. Bon, mauvais exemple. Tu peux le placer après. Voilà. Mauvais exemple numéro 1, ça vient comme ça. Et après, comment on fait? Ah, souvent, ça arrive. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi aussi, je savais pourquoi. Parce que, première, il faut chercher de décalage avec le partenaire. Sans gravité, il faut inverser. Donc, quand ils arrivent, ils attaquent. Là, d'abord, on descend en dessous de SL. Comprenez? Pourquoi? Parce que l'idée, c'est on casse. Avec le genou. Si vous ne faites pas décalage, il ne tombe pas comme maintenant. Donc l'idée, il faut trouver décalage. Et deuxièmement, il faut attaquer et il faut faire attention de casser le rang. D'accord? Là, c'est grâce à ça, on peut tracer, mais c'est chaud. Là, et suite, on garde hanche sur le poitrine et cassé. Numéro 1, vous avez compris. Numéro 2, à peu près c'est pareil. Et après, on arrive au numéro 2. On casse, il va résister. Il pousse. Donc il faut profiter de l'autre sens. C'est-à-dire, là, il faut bloquer son coude. C'est pas là, il ne faut pas tenir. Il faut glisser jusqu'au coude. Et l'autre main, il faut glisser jusqu'au omoplate. Et il faut immobiliser avec ça. D'accord? Et il ne faut pas partir tout seul. Comme dit tout le kata. Partenaire, c'est tous les deux que tu il faut travailler ensemble. C'est-à-dire, là, force égalité, et c'est moi qui dois accélérer. Donc, il y a des décalages. Ça, c'est numéro 2. Il attaque, il vient chercher ceinture pour saisir de ceinture pour attaquer quelque chose. Là, je ne sais pas après. Je n'ai pas vu non plus. C'est dommage que j'étais pas là il y a 100 ans. Et esquive avec un point de poignet et il faut éviter de direction. Suite, accroché sur son cou. On amène un peu. Épaule et patrine pour tirer. Même idée, on casse avec normalement. Tac. D'accord? Et c'est pour ça que pardon. C'est pour ça qu'on dit quand on jute de derrière, votre talon et genou presque même endroit. Sinon si vous écartez, comment ça passe? C'est pour ça que talon et genou, il faut approcher. Et numéro 4, il y a la même chose. On pointe et il va réagir, il va retirer. Donc, cette direction, il faut profiter, il faut bloquer son coude et
montant. Quand on arrive ici, on casse un pont. L'idée, c'est casser en arrière, mais après, il va réagir devant. Donc, c'est la même chose. On va bloquer, la même chose. Ça, ça c'est numéro 4. Et après, on va continuer ou on arrête? Ça va comme ça? Attends, mais sinon c'est... Ouais, ouais. On est bien, on est bien, on est ouais. Voilà, donc, le moment important, hop, esquive, on prend. Légèrement, on fait clé de poignet et clé de poule. Et vous faites attention, il faut chercher des équilibres. Vous ne jetez pas sur place. Idée normalement, on bloque et déséquilibre. Donc, pardonnez, regardez. Il n'y a pas de possibilité d'attaque. Si vous faites ça, voilà. Il peut attaquer toujours. Donc, il faut allonger en arrière. Et après, vous allez brosser son bras. Brosser. Important, donc, blocage poignet. D'accord? Et de mon corps. Encore une fois. Ah! Idée, parce que tout le temps, idée, c'est pas comme nous. Il y a un mur. Si vous voulez un mur de chevalier, c'est pas vrai. Tu vois que c'est plus lourd. Là, quand il casse, avec quoi il tombe? Tu crois? Mais pas moi. Et donc, quand il vient là, vous allez esquiver de l'épaule, c'est une ligne, et vous allez grossir. Simplement ça. D'accord? Et après, encore on change de direction, c'est moi qui lance. L'idée, c'est. On attaque, c'est pour ça que Koshiki no Kata est intéressant. Nous aussi, on peut attaquer. Il va défendre. Il va défendre pour attaquer. Non! Voilà. Encore Koshinage. Et là, vous avez aussi, c'est pas votre force qui doit mettre tout. Comme on dit, c'est au poignet ici. C'est pas au bout, c'est poignet et on tourne. On allonge, c'est-à-dire là qui tourne. Donc vous pouvez essayer, si vous avez tout seul, vous pouvez essayer exercice, on allonge. On allonge, pardon, il est là, on allonge. D'accord? C'est pas coude, coude c'est coude souvent comme ça. Après on pousse, c'est pas ça, c'est déséquilibre avec la main. D'accord? Donc cette idée. Il faut profiter de son attaque et il attaque, donc vous allez défendre avec votre hanche et votre main et écarter là et on arrive et on pousse. Non, c'est pas possible. On n'a pas dit son nom. Donc on arrive, on prend et vous pouvez reculer. On voit quelque chose de technique, c'est le défense aussi, il existe comme ça. Hein. Regardez, il va pousser. Ça, dès qu'on sent, épaule droite, esquive devant, pas une glisse. Bien, on prend demain, même chose. On reste un maximum, on prend. Il n'y a pas de possibilité de défendre. Et on jute en arrière. D'accord? Et suite. Suite, c'est la même chose. Et suite, on doit. Voilà. Et après, il vient sur ses ceintures. Là, ne bougez pas votre corps. Esquive la hanche. Vous prenez poignet et blocage du corps. Là, important, quand on arrive ici, vous allez repousser devant et tomber. Sans utiliser la tête et redresser épaules
poitrine et on pousse, on tire. Voilà, parce que jusque-là normalement un mur, et donc on prend et votre coude, vous descendez. Là, il faut attaquer sur le prochain arrière-bord, et en même temps, on tire. Et même chose de l'autre côté, il prend, il vient Kubinage maintenant. Et vous allez défendre et esquiver. Et poster là. Voilà. Blocage, il est là. Ne descend pas en bas. Pourquoi? Parce que quand vous allez rouler l'autre côté, souvent pardonné, il va difficulté de rouler. Il tombe sur l'épaule. Donc vous laissez ouvert et vous bloquez comme ça. Et laissez là, vous allez voir. Hein. Ah, rien que ça, c'est bon. Hein. Encore une fois. Ne pressez pas de l'attaque. Regardez, action. Réaction. Écarte de corps, vous gardez et vous allez glisser et jeter. Et on redresse avec pied droit. D'accord? Et on vient. Bon, pardon, c'est on va pas dire. Là, il vous pose l'épaule pour inverser. Là, esquive. Et aussi, il vient passer mon épaule, esquive et jeter. Et vous allez lancer, visage et esquive. Donc, retournant, vous prenez de col et jetez. Et après, il vient chercher attaque, c'est simplement Tikiyoto, c'est le tirer. Et quand il vient, ce n'est pas la peine pressée, vous allez montrer à dos et vous avancez gauche, droite, gauche, il attaque. Et vous ne lancez pas comme il faut, c'est vous lancez sur le côté. Et à la fin, vous allez préparer deux mains sur le visage. Et ce n'est pas la peine de se presser, il faut essayer bien, pardon, bien, et vous prenez deux pôles et vous allez tirer. Voilà. Donc, deuxième partie, ça. Le nagu